Chrétien, attention, pas fête Pâques, c'est fête mon invisible, c'est diable à n'aponoré, selon 1 Corinthiens 5, verset 7. Chrétien, attention, pas fête Pâques, c'est fête mon invisible, c'est diable à n'aponoré, selon 1 Corinthiens 5, verset 7. Bien-aimés frères dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, petit bon Dieu, petit Jésus-Christ, bonjour, bonsoir, salut. Quel que soit côté ou obtenir d'enseignement ça dans tout point monde là. Et me salue très spécialement monde qui dans l'école de Dieu en Jésus-Christ dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Groupe WhatsApp et toute petite bon Dieu sanctifié qui sur YouTube, qui sur page YouTube cours de révélation biblique. Côté que Saint-Esprit a enseigné nous les révélations profondes des choses les plus cachées de la Sainte Bible. Mes amis, on a fait de fête Pâques dans le monde là. Et nous connaissons, selon 1 Jean 5, verset 19, parole de Dieu dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Autrement dit, le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier est sous la puissance du serpent ancien. Eh bien, nous remarquons ça. Nous te faisons enseignement déjà sur ça. Nous ne connaissons pas aucune fête. Actuellement, il n'y a pas aucune fête qui est biblique. Quelle que soit fête, elle n'est pas biblique. Quelle que soit fête, elle n'est pas biblique. Pas de fête pour chrétiens fêter actuellement. Quelle que soit fête là. Quelle que soit fête qui existe sous terre, c'est diable à la gloire, c'est diable à honorer. Selon la Bible, pas aucune fête qui est biblique. Nous avons nous songer parole, petite parole ça. Pas aucune fête qui est biblique pour chrétiens. Pour qu'il peut moun kabdou, gen fête chrétien ka fêté. Pas aucune fête chrétien ka fêté. Et pas gen moun ki ka montre ça dans la Bible. Maintenant, on a les, selon parole bon Dieu, selon la Bible, les Saintes Écritures, y a un docteur de la parole supposé enseigner selon période liée. Chaque époque, régulièrement. Nous te ouais ça déjà dans l'enseignement. Donc maintenant actuellement là nous en période de Pâques y aurait les en Haïti dans monde là dans tout monde là mais nous connaît c'est ça c'est là qui vient nous commencer web bluff là parce que dans tout pays dans monde là fête yo pas fêter dans même époque tant qu'on doit jeune Pâques ça semaine ça en Haïti et pour jeune non l'autre semaine dans l'autre pays même j'en connais jeune fête des mères qui s'est fête Ezuli gien doit en Haïti ou gen doit wèl nan fin mois de mai toujours nan fin mois de mai et puis aux États-Unis nan début mois de mai ça veut dire nous ouais c'est totalement bluff k'a fait nan monde là nous ouais c'est diable là k'a séduit nous k'a bluffé nous k'a prouvé porte monde là bien large by nous by petit bon Dieu qui faible en onction qui faible dans la chair qui faible en maturité spirituelle et puis pour aller brûler avec dans l'affaire pour faire quitter caï bon Dieu pour venir joindre dans royaume ni et puis pour aller brûler avec au dernier jour. Eh bien actuellement là en Haïti nous dans une semaine diable arrêté semaine pascale diable arrêté semaine de Pâques avec S ou bien l'irélil semaine pascale comme adjectif de la parler français. Moi-même, c'est job Pamza, c'est mission Pamza, pour moi démasquer, pour moi dévoiler tout ça qui est caché que petit bon Dieu manque maturité ou pas qu'à ouais. Eh bien, mon Pâques là, nous parlons ouais qui ça, les n'a fêté pas qui ça n'a fêté, mes amis sur la terre. Nous parlons ouais qui ça n'a fêté, parce que pas gain Pâques encore. Jésus te mette fin dans Pâques là, selon 1 Corinthiens 5, verset 7, pas de Pâques encore. Et Pâques ça, qui dans la Bible là, c'est pas ton Pâques qui te jamais qu'on écrit avec S, faut nous prêter attention à ça tout. C'est ça qui fait nos besoins d'enseignement. C'est ça qui fait, c'est pas devant moniteur pour nous chita, pour nous prendre cours, moniteur pas qu'à former nous. C'est ça qui fait, c'est pas devant docteur en théologie pour nous chita, pour nous prendre cours.
docteur en théologie pas qu'à former nous pas gain il pas bon Dieu pas voué il pas gain mission pour ça il pas gain mission pour ça parce que docteur en théologie a c'est les hommes qui forment mais docteur de la saine doctrine de la parole de Dieu en Jésus-Christ c'est Saint-Esprit bon Dieu même qui enseigne des révélations cachées selon prophète Ésaïe chapitre 29 verset 11 et 12. Eh bien, on voit qui ça Pâques là, il dit Pâques Bible. Il écrit P A accent circonflexe Q U E. Alors nous connaît quand bon Dieu gagne l'autre, pas vrai selon 1 Corinthiens 14 verset 33 et 40. Nous connaît quand bon Dieu gagne l'autre. Ça veut dire n'a fait baio méthodologiquement, n'a fait avec méthodologie. Et n'a fini avec Pâques biblique là, c'est pour une première place. C'est ça la Bible dit moi. La Bible dit dans Psaume 37 verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Autrement dit, fais de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire faut que nous faisons volonté bon Dieu dans toute bagarre, faut nous mettre la première dans tout ça qu'on fait. Dieu doit être prioritaire dans tout ce qu'on fait, quel que soit sa lien. Bon Dieu en premier. N'a fini avec Pâques PA accent circonflexe QUEA, ça veut dire Pâques singulière et puis nous pourrions voir Pâques pluriel là qui diabolique là mes amis qui a séduit petit bon Dieu sous terre. On allait mot Pâques là P A accent circonflexe Q U E. Qui ça mot ça veut dire? Eh bien, moi, ça, c'est lui-même en anglais, ou le Passover. Pour les gens qui parlent anglais, nous connaissons les gens sur le groupe là qui parlent anglais, qui vivent aux États-Unis, tout. Passover, ça signifie P-A-S-S-O-V-E-R, en un seul mot. It's one solid term. Passover. Donc, Passover, c'est lui-même qui signifie Pâques. Et soit les noms anglais, en pile fois, il y a des mots, il paraît un petit genre plus clair. Plus explicite, plus compréhensible en anglais qu'en français. Par exemple, on dit Pâques. Si on ne connaît pas l'étymologie de mot ça, bien faux des mots ça, ou est-ce qu'on est? Parce que le terme n'a pas qu'à bon idée de sens, de signification, de contexte. Pourtant, en anglais, il dit Passover. Passover, là où le mot à mot signifie passer au-dessus. Ou elle il signifie passer en l'air, ou elle signifie éviter, ou elle signifie épargner, ou elle signifie s'écarter d'eux, ou elle signifie en créole sauter, avait dit sauter Kaila, éviter. C'est ça Passover, je l'ai dit. Donc Passover en anglais c'est le même qui Pâques en français. Eh bien nous gagnons on idée. Eh bien, la Pâque, qui bon exactement, ou pas le faire lecture pour moi, sur la Pâque. Et puis, malheureusement, si nous avons fait lecture chapitre ça, il a pris trop de temps, enseignement tape trop long, il a pris trop de temps. Donc, nous pas avons bon un documentaire, c'est ça que fait, nous pas fait lecture pour vous. Mais, s'il vous plaît, comme d'habitude, et comme toujours, fais ça pour frère, hein, bien-aimé, frère, monsieur, capitaine d'im. Fait lecture pour moi dans Exode chapitre 12. Il parlait de la Pâque. Il parlait de la Pâque. Non, non, ouais. Mot de la fête. La Pâque. Et bien, qu'on y a là, bam, mettons dans le contexte, ou même moi, fait lecture pour moi. Et puis, on a une plus révélation. Et bien, la Pâque, c'est qui ça lié? Pâque, P-A, accent circonflexe, Q-U-E-A, il signifie exactement Passover en anglais qui signifie passer au-dessus. Ça signifie passer en l'air. Sauter en créole. OK? Épargner. Protéger. OK? Maintenant, attendez bien, oui. P-A, accent circonflexe Q-U-E-A, il signifie passer au-dessus. Qui bon mot ça a sorti? Il prend naissance. Il prend naissance en Égypte. Il prend naissance en Égypte. Le bon Dieu t'a retiré peuple Israël, la peuple Lia. Il t'a retiré, il t'a libéré,
il est allé relâcher le peuple Israël là dans la prison en Égypte là. Eh bien, le bon Dieu est allé pour te mettre le peuple Israël là dehors en Égypte. Qui ça te fait? Même Jean-Paul l'a dit dans Deutéronome 5. Eh bien, avec dans Deutéronome, parole de bon Dieu dit, c'est à bras, à gros point être bon Dieu, il a mis le peuple Israël là dehors en Égypte, retiré dans la prison en Égypte là. Eh bien, le bon Dieu t'a fait travail ça. Qui ça te fait? Il t'est passé. Alors, qui m'a dit bon Dieu parole ça? Dans même Exode 12, verset 26. Dis-moi comme ça, parole de bon Dieu, dis-moi, les petits mouns, les petites nous demandent, nous, qui ça Pâques là? Je dis, mais comment pour nous expliquer le Pâques là? Je m'en peux expliquer là. Les petites nous demandent, nous, qui ça Pâques, je le dis, eh bien, c'est comme ça, je m'en peux expliquer qui ça Pâques là. Je dis, dans verset 27, mais c'est dans verset 27, j'ai une explication ça, ma banou là, verset 27 là, verset 26, ça dit, cet esprit dit, les petits mouns nous demandent, nous, ça Pâques, je le dis, qui ça mot Pâques qui a attendu avait dit? Eh bien, dans verset 27, il dit, pour m'expliquer au Pâques avait dit, passer au-dessus. C'est le bon Dieu tal relâché, libéré peuple Israël là en Égypte, dans l'esclavage, en bas des Égyptiens, dans la prison. Ok? Et puis, quand il y a ça, bon Dieu t'a fait, bon Dieu t'a passé, cet esprit passé, l'elfine frappé, pendant la frappé, les Égyptiens, et puis il passait en l'air petit lio peuple Israël là il passait en l'air il évitait caille ça il épargnait de danger il préservait caille de fléau de danger qui était tombé sur peuple égyptien. Donc c'est là mot ça prend naissance qui c'est Pâques qui signifie passer au-dessus passer en l'air Passover en anglais. Et bien qu'on y a là, alors selon Exode 12, verset 26 et 27, et bien Moussa qui c'est Pâques là, il peut le matérialiser. Comment Moussa peut le matérialiser? Moussa peut le matérialiser au travers de un mouton. Au travers de un mouton. Mais nous connaissons bon Dieu dans beauté, dans grandeur, dans l'amour, dans la fidélité, dans la compassion, dans la miséricorde, dans le pardon. Qui ça le fait? Il toujours qui ont tiré réserve pour nous dans la bonté. Eh bien, si ce n'est pas un mouton, on peut faire tout avec un cabrit. Il peut matérialiser Pâques, qui signifie passer en l'air, au travers de un cabrit, au travers de un mouton ou si pas gen mouton, yon kabrit, si ou pas jeune mouton. Ok? Eh bien, qui ça peut le passer? Yon peut le matérialiser mouton ça. Ces mouton ça, yon peut le tuer. En français, yon dit, yon peut le immoler. Ouais? C'est lui même, c'est là où j'ai une expression, ça, j'ai un terme. En français, agneau immolé. Donc, maintenant, c'est l'agneau. Ok? C'est l'agneau qui sera immolé. C'est agneau ça qui peut le immoler. C'est agneau ça yo pral tuer et puis pour yo boucanel et puis pour yo boucanel pour bon sent li a monter dans cet esprit hein selon Exode 12 toujours oui dans Exode 12 verset 5 moi il là puis au Exode 12 verset 5 mais parole bon Dieu précise oui comment pour agneau ay comment pour mouton hein? Faut que li un jeune petit mouton qui gagne un an. Ou qu'on est un petit jeune mouton qui gagne un an avec toute force li, vigueur sous li, très vigoureux. Eh bien, faut que li gagne un an et faut que li sans tache et sans défaut. Wow! Est-ce que nous songez Jésus t'es sans défaut? Jésus pas de jamais péché. Jésus, pas de jamais tromper. Jésus était parfait, selon le prophète Esaïe, dans Esaïe chapitre 53. Nous songez ça? Bon, Jésus, pas de jamais péché. C'est péché pas nous, il était prometté sous dol. Waouh!
Est-ce que nous songez ça? Ça veut dire, l'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle alliance. Ça veut dire, c'est là expression agneau immolé a sorti, sorti dans Exode chapitre 12. Ok? Il sorti dans Exode chapitre 12, verset 5. Ça veut dire, à Pâques ça, il a matérialisé à travers un agneau que vous pral immolé, ça veut dire vous pral tuer pour vous manger. Comme vous pral font fête. Et maintenant, fête ça, qui est le Pâques là, fête ça fait avec agneau. Que vous pral boucaner, vous pral immolé, vous pral tuer pour vous immoler, pour vous boucaner, pour vous manger. Et puis qui pral gon parfum de bonne odeur qui sorti de la boucane et qui pral monter dans cet esprit. Et bien qu'on y a là, agneau ça, faut qu'il y ait un an, faut qu'il y ait sans tâche, sans défaut. Ça veut dire, ça, ou bien t'as senti, c'est l'ombre. C'est ce qui annonce Jésus-Christ. Selon ça, nous lit dans Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 1, verset 29. L'agneau, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici, mais agneau bon Dieu qui retire le péché du monde là. Parce que lui-même n'est pas jamais péché, il était sans défaut, pas vrai? Nous jouons ça depuis dans Exode chapitre 12, verset 5. Maintenant, agneau ça, il faut qu'il y ait un an sans défaut. C'est lui-même qui peut le matérialiser, Pâques ça, qui signifie passer en l'air, passer au-dessus en français, qui c'est Passover en anglais. Eh bien, faites ça chaque qu'il est fêté. Faites ça chaque qu'il est fêté selon Lévitique 23, verset 5. Eh bien, faites ça, vous célébrez chaque, attendez, oui, chaque premier mois. Jean bon Dieu te baille. L'autre là, Moïse avec Aaron l'autre là, il a considéré moi ça comme premier mois. Chaque premier mois, mais qu'il est dans le premier mois, 14e jour, entre deux soirs, ou bien entre deux nuits. Chaque premier mois, ok, le 14e jour, entre deux soirs, selon Lévitique 23, verset 5. Ça veut dire, dans le calendrier juif là, ok, comparativement à calendrier, panouan, calendrier, on dit, grégorien romain, et en il tombe dans le mois de mars. Ça veut dire, c'est comme si nous te dit, chaque 14 mars, la Pâque dans la Bible te qu'on fêté. C'est l'autre ça, bon Dieu, te passé pour Pâque la fêter. Chaque 14 mars. Ça veut dire qu'il n'y a pas jamais fêté l'autre le 14 mars. Depuis là, nous commençons à voir le bluff qui gagne dans Pâques, nous fêter dans le monde là qu'on y a. Pas vrai? Nous avons qui bluff. Raison. Parce que parfois, Pâques a tombé dans le mois de mars. Parfois, tout Pâques a tombé dans le mois d'avril. Nous connaissons ça. Parfois, elle tombe dans le mois de mars. Parfois, elle tombe dans le mois d'avril. Donc là, nous avons vu le petit biblique. Nous commençons à voir que ça sont fake Pâques, ce n'est pas biblique, c'est des choses diaboliques. Nous commençons à voir bluff là. La Bible dit que Pâques a une date fixe qui est 14e jour. Il y a une date fixe, 14e jour, dans le premier mois. Mais le premier mois, il y a un mois de mars pour nous-mêmes en Haïti. Il y a un mois de mars dans le calendrier panouan. Ça veut dire comme si nous disions chaque 14 mars. Pourtant, nous voyons Pâques n'a fêté dans le monde là. Il n'y a pas gagné une date fixe. Il n'y a pas un mois fixe non plus. Parce que parfois il tombe en mars, parfois il tombe en avril. Eh bien, attendez. C'est chaque 14e jour, premier mois, chaque année, vous fêtez, faites ça. Pâques là. Mais qui ça, Pâques là? Et encore, nous rappelons, la Pâques, selon la Bible, son agneau immolé. Son on mouton tué et pour boucaner, pour nous, pour manger. Pour qui ça? Pour célébrer et sortir peuple Israël là en Égypte dans prison bon Dieu t'a le prend yo. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qui fait une signification Pâques à tout, il signifie reconnaissance des peuples, alors des enfants de Dieu.
reconnaissance hein, du peuple d'Israël. Et nous t'avons dit, il y a un synonyme si nous voulons. Donc maintenant, attendez bien, oui. Pâques acte immolé, c'est lui-même qui symbolisait Jésus. En même prophétie, ça, pour l'accomplir, qu'on y a. Est-ce nous là? Prophétie, ça, agneau, ça, qui immolé, qui matérialise Pâques, qui signifie passer au-dessus, hein? Passer au-dessus. Hein? Prophétie, ça, pour l'accomplir dans Matthieu 27, verset 50. Eh bien, Matthieu 27, verset 50, c'est lui-même qui mettait fin à l'ancienne alliance là. Sa théologie, on connaît après l'Ancien Testament. Eh bien, c'est lui-même qui mettait fin. Ça veut dire Matthieu 27, verset 50, c'est là Jésus qu'on y a là, pral immolé. C'est là Jésus qui s'est agneau à pral immolé. Et c'est ça que fait apôtre Jean dit nous, dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu, en parlant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça que fait apôtre Jean. Dit ça dans Jean 1, verset 29. Et qu'on y a là, qui bon je ne parle ça encore? Moi, je ne parle ça encore dans Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse 5, verset 12, il dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, l'honneur, la louange et la gloire. Wow! Ça veut dire, là, il a parlé de l'agneau qui a été immolé depuis non, Exode chapitre 12, là, verset 5. Qui historique, selon verset 27 dans Exode 12, qui historique, essayez de comprendre. Et maintenant, qui matérialisé dans verset 5 dans Exode 12. Et qui raison historicité, c'est dans verset 27. Donc c'est la Bible qui dit nous, c'est bon Dieu qui dit pour nous, les petits nous demandent de nous, ça pas que c'est ça pour nous dire, selon Exode 12, verset 26. Essayez de comprendre. Bon, nous voyons qui ça, Pâques là. Mais qu'on y a là, est-ce que y a un Pâques toujours? Non, pas un Pâques encore. Parce que Jésus lui-même, Jésus est immolé en tant que l'agneau dans Matthieu 27, verset 50. Après la mort, Jésus, pas un Pâques encore. Qui bon dit ça? 1 Corinthiens 5, verset 7, dit Christ, notre Pâques. Attendez, oui. Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, notre Pâques, en d'autres termes, a été décédé. Christ, notre Pâques, en d'autres termes, a été mort. Christ, notre Pâques, avait cassé sa pipe, dans l'expression française. Donc, mes amis, là, nous clair. Pas de Pâques encore. Pas de faire Pâques pour chrétiens fêtés. Faut nous bien comprendre, parce que nous connaissons l'enseignement de la parole, des révélations bibliques. C'est, d'ailleurs, c'est le plus gros objectif. Et, école de Dieu en Jésus-Christ, dirigée par le Saint-Esprit. Faut nous bien placer tête, nous, parce que c'est l'enseignement qui mène dans le ciel. Selon Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous connaissons la connaissance, c'est quoi? Nous connaissons la parole, selon Psaume 119, verset 105. Il dit qui ça? Eh bien, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et les gens cherchent qui ça? Lumière, nous parlons, la lumière, c'est l'enseignement. Selon Proverbe 6, verset 23, parole de mon Dieu dit, l'enseignement est une lumière. L'enseignement est une lumière. Donc, la lumière, c'est la parole de Dieu. Eh bien, c'est ce qu'on fait là maintenant. C'est ça, cet esprit a fait avec nous là, au travers de moi-même, qui c'est micro, qui c'est journaliste, qui s'est reporté. Donc maintenant, nous connaissons là, nous concluons, pas de Pâques encore. Selon la Bible, pas de Pâques. Selon 1 Corinthiens 5, verset 7, selon Matthieu 27, verset 50, qui c'est la fin de la nouvelle, la fin de l'ancienne alliance, selon les docteurs en théologie, la fin, Matthieu 27, verset 50, c'est la fin, ça met la fin, c'est la fin
de l'Ancien Testament selon les docteurs en théologie. Maintenant, selon les docteurs en Jésus-Christ, c'est la fin de l'ancienne alliance. OK? Maintenant, pas de Pâques, nous concluons. On a les connaît pour les Pâques. Donc, nous songeons Pâques là, qui est symbolisé. En conclusion, en résumé, Pâques là, il symbolisait Jésus. Pâques là, symbolisait Jésus. Donc, Jésus, pour qui ça? C'est parce que la Pâque, nous songeons, la Pâque, c'est un agneau qui matérialise, un agneau immolé. Donc, c'est Jésus qui est agneau immolé. Là, tout le monde comprend, nous d'accord. Bon, ça veut dire. Dit, la Pâque, c'est l'agneau immolé. OK? La Pâque, c'est l'agneau immolé. C'est l'agneau qui mourit, que tu es. Bon. Maintenant, on allait pour les Pâques. Moun y a fêté. Qui ça, les Pâques, les dit? Avait dit Pâques avec S là. Donc, depuis nous, les Pâques, nous avons fait notre travail. Comment faire les Pâques? Oh, la Bible parle de la Pâque. La Bible parle seulement de Jésus. Jésus qui s'est agneau immolé, pas vrai? Pourtant, dans le monde, nous avons les Pâques dans le calendrier. Nous entendons tout le monde qui a fêté a parlé de les Pâques. Mais il faut qu'on écoute les Pâques sorties. Qui ça, le diable, a fait? Nous avons ça avant hier, nous avons parlé du monde kabbalistique, la Kabbale. Nous avons parlé de Shekinah. OK? Il faut qu'on ait Shekinah, c'est manifester la gloire, la présence de mon Dieu, qui n'est pas vrai, qui c'est Lucifer. Nous avons ça. Eh bien, c'est ça, le diable, a fait. Diable a tellement son gros séducteur, et bien qui ça le fait? Il prend parole bon Dieu et puis il falsifie parole là et puis pour le capable tromper monde, pour le tromper petit bon Dieu et monde qui déjà dehors qui poko konn bon Dieu, qui konn poko konn Jésus-Christ, qui poko konn la parole, et bien il intérieur puis font toujours. Il enchaîne au plus toujours pour qu'elle n'en fait avec elle. Vous comprenez? Il renforce chaîne dans main yo dans pied yo. Il renforce, il multiplie et caille dans yeux yo pour pas ouais. Il bouche les oreilles pour pas attendre. Est-ce que nous comprenons? Et l'endure si cœur yo et puis pour capable pas agir foi yo pour pas quitter chaîne cassée chaîne qui n'a même pas. Eh bien, on dit est seulement fait différence. Et puis, nous allons l'expliquer rapidement. Eh bien, mais quand le diable a sorti avec les Pâques, nous connaissons la Pâque, c'est Jésus seulement. Eh bien, les Pâques, leur dit les Pâques symbolisaient tout pape catholique. Les Pâques symbolisaient tout pape catholique qui mourut déjà. Ça veut dire, l'homme, on a fêté Pâques. Ou elle a fêté dans le monde, dans, c'est tout pape son bon mort à fêter. C'est ça que fait vous dire les Pâques. C'est comme si vous dit les papes. Vous comprenez? Les Pâques veut dire les papes morts. Les papes décédés. Les papes déjà décédés. Est-ce que nous comprenons? C'est ça que fait Jésus dans Matthieu 24, verset 24. Il dit il y a faux Christ. Il dit qu'il faut Christ et c'est ça qui fait dans fausse fête Pâques, fausse célébration Pascal Zayabdia avec Esla. Ou après, il faut qu'on ait Jésus, t'es mouru. Il faut qu'on ait Christ là. Il faut qu'on ait Christ, t'es mouru. On vendredi saint. Christ est mort, on vendredi saint. Il ressuscité. Il est dimanche. Et puis, il faut qu'on ait. Alors, il faut qu'on ait Jésus, t'es mouru. On vendredi et il ressuscité en dimanche. Mais heureusement, nous avons fait un enseignement sur ça déjà. Jésus-Christ n'a jamais mouru vendredi. Selon Jonas chapitre 2, verset 1, qui c'est la prophétie, qui c'est l'ombre, et l'accomplissement de la prophétie, qui c'est la lumière, nous allons jouer dans Matthieu 12, verset 40. Côté que Jésus te dit, même Jean-Jonas t'a fait 3 jours, 3 nuits en dans 20 poissons, hein? Selon Jonas 2, verset 1, eh bien, Jésus te dit, c'est même Jean tout, petit l'homme, non, parlant de lui-même, ce n'est pas petit bon Dieu, non, petit l'homme, non, il y a une différence entre le fils de l'homme et le fils de Dieu. Et même Jean, le fils de Dieu en français, petit l'homme, non, il y a pour le faire 3 jours tout,
trois nuits en bas terre, dans votre terre. Ça, parole ça, nous jouons dans Matthieu 12, verset 40, Jésus te dit ça. Mais parole ça, tu as parlé depuis dans Jonas 2, verset 1. Et puis Jésus vient reprendre parole là, parce que c'était prophétie parle. Ça veut dire, Jésus annonçait là, dans Matthieu 12, verset 40, la molle qui prend le fait dans. Qui va le faire dans Matthieu 27, verset 50. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire qui ça? Jésus, c'est la Pâque. Eh bien, les Pâques, c'est papio, c'est les papes. Jésus, c'est la Pâque. Mais les Pâques, c'est les papes. Est-ce que nous comprenons? Jésus, c'est la Pâque. Mais c'est, en français, on dit, mais les Pâques, ce sont les papes. Les papes sont tous les papes décédés. Est-ce que nous comprenons ça? Ouais, j'ai le diable là. Ouais, j'ai le diable là. Rusé. Qu'on y a ou même ou tombé, fêté Pâques. Et puis, ou pas qu'on est, malheureusement. Ah, Dieu, bon Dieu. Ou tombé, fêté Pâques. Ou dans la tête pensée, c'est Christ ou a fêté. Et puis, c'est faux Christ là, selon Matthieu 24, verset 24. Ça, Jésus dit, il y a faux Christ. Et apôtre Paul tout dit un faux Jésus. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, attendez bien. Attendez bien, oui. Qui ça monde là faut qu'on est? Diable là faut qu'on est. Il dit Christ là. Jésus-Christ est mort on vendredi, il ressuscité dimanche. Mais selon déclaration Jésus fait dans Matthieu 12 verset 40, il dit petit l'homme nan gen pou le faire 3 jours 3 nuits dans votre terre en bataille là nous elle impossible nous te fassignement ça déjà mais pour moun qui pou content dans ce monde pour content d'elle n'a pas rappelé Jésus pas mouri yon vendredi Jésus t'est mouri yon mercredi soir Jésus mouri yon mercredi soir donc longtemps Jouyo, dans le calendrier juif, là, c'est pas même Japan, on pas faire minuit, 1h du matin, 2h du matin. Selon Genèse chapitre 1, c'est yon soir, yon matin qui baille yon jour. Yon soir, yon matin, baille yon jour. Ça veut dire, au coucher du soleil, jodia, au coucher du soleil demain, ba mon jour. Ça veut dire, Jésus t'est mouru yon mercredi soir. Eh bien, jeudi matin fait un jour, vendredi matin fait deux jours, samedi matin fait trois jours. Ça fait trois jours, nous allons calculer trois nuits. Hein. Jésus mourit au mercredi soir, eh bien, jeudi soir fait un jour, jeudi soir fait une nuit, ok? Vendredi soir fait deux nuits, et samedi soir fait trois nuits. Donc, il est ressuscité avant. Il ressuscité avant coucher soleil samedi soir. OK? Pour vers dimanche matin. Ça veut dire après coucher soleil la connia ou vient dans dimanche. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire Jésus pas mourir vendredi. Jésus ça faux Jésus sortant de Abdou dehors. Catholique Abdou qui était mort vendredi a, c'est pas bon Jésus a. Parce que vendredi à dimanche, pas bail 3 jours, 3 nuits. Là encore, nous avons dit, ouais, c'est sous bluff. Nous avons dit, ouais, son fausse Pâque. N'a pas fêté, pas vrai? Parce que vendredi à dimanche, pas bail 3 jours, 3 nuits. Eh bien, on a les cognats. Selon études, recherches scientifiques, moi-même, moi fait. OK? Eh bien, qui s'est passé? Et je vais tout le monde, ça m'a dit la garantie à le vérifier. Passer devant n'importe l'église catholique qui est dans l'idéo. N'importe l'église catholique, quel que soit le pays où il y a dans le monde, on va prendre enseignement ça. Passer devant n'importe l'église catholique, ou après vendre un petit papier. Qui est un petit papier, machin qui a vendu pile photo saint, pile photo image, saint Antoine, saint ceci, saint cela, saint Bat, pas connaît, tout saint. Saint Jacques, saint Pierre, saint Philippe. Saint Antoine do pas qu'on nom bien.
Ou après, il y a un petit papier avant, il y a une tête mort là-dedans. Il y a une croix là-dedans, il y a une tête mort. Il faut faire très attention. C'est ça qu'il ne faut pas utiliser des saints croix. Ce n'est pas biblique, la Bible va dire ça. Selon Exode 20, verset 4. Selon Exode 20, verset 4, chrétien ou pas doit utiliser des saints croix. Puis il faut faire croix. Ni des saints croix, mettre la carrière ou ni dans l'église. Pasteur, c'est faire des saints croix, mettre dans l'église, mettre devant l'église. Non, depuis on l'église qui croit dans le dehors, c'est péristylie. Ou on doit utiliser quoi? Il y a pas surtout les la prière au monde. OK, les bibliques ou fin prière au monde ou ka wel, mais les pour un monde, il toujours font petit croix dans fond monde. Non, les pas biblique, c'est bagay diable. Petit croix ça symbolise baron. C'est baron samedi, baron la croix symbolisé. OK? Maintenant, on parler de semaine sainte. En même pas que ça qui fait gain et ça donne, c'est parce que il commençait, il commençait lundi. Et puis il finit dans dimanche, exactement 7 jours. Ouais, depuis dans lundi, il y aurait le lundi Pâques. T'as quoi actuellement là en Haïti? Nous n'en jeudi pour malfaiteur, nous n'en jeudi saint. Pour malfaiteur, jeudi assez, jeudi saint. Avait dit, il commence depuis lundi, Pâques a commencé. Depuis lundi, semaine Pâques a commencé. Ça veut dire, il y aurait le lundi, hein, lundi saint, mardi saint, mercredi saint. Jeudi saint, vendredi saint, les rives dans samedi, le samedi de l'eau bénite, et puis les rives dans dimanche, il va aller le dimanche de Pâques. Attendez bien, oui, ça me va le dire, ça très très important. Eh bien, petit papier ça, ouais, machin y a vendu devant l'église catholique, là, que moi-même, par curiosité, moi regarder le moi lire le même, moi ouais l'écrit la donne. Comme ça, en Haïti, ma fait enseignement, m'a dit nous ça, moi l'écrit en français. Moi, je l'écris la donne le jour, moi l'écris le jour du brave. Le jour du brave, ça veut dire le jour et du baron. Le jour du baron. Et c'est nous là. Le jour du baron, moi, je marquais le jour du brave est le lundi et le samedi. Et puis, qui ça, on mettait encore? Et vous allez au cimetière, ok? Vous allumez une bougie et vous dites votre prière. Attendez, oui? Et puis on dit, en terminant, vous dites la croix, c'est R-O-I-X. Ok? Ça veut dire qui ça? Selon samedi, nous là, gagne la créole tout. Il y a en anglais, il y a en espagnol, il y a en allemand, il y a en italien, dans toute l'église, parce que l'église catholique dans tout le monde là net. Donc, regardez bien pour vous, parole ça dit, jour baron, c'est deux jours, c'est lundi avec samedi. Jour brave, c'est lundi, samedi. Vous y attendez bien. C'est ça que fait catholique, yo fête Pâques pendant toute une semaine. Ça veut dire depuis dans lundi, où il y a écrit dans le petit papier, le jour du brave, là, il mettait lundi. Depuis dans lundi, il a commencé avec sacrifice, il a commencé avec cérémonie, avec fête et loi. Il a commencé avec loi. Parce que dans le catholicisme romain, il dit saint. Mais dans le vaudou, il a pas dit saint, il a dit loi, il écrit L-O-A. Il a dit guédé. Mais dans le langage catholique, ils ont utilisé pour tromper, ils ont dit saint. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit saint. Ça veut dire, ils ont commencé depuis dans lundi, ils ont ouvert et cérémonie, porte cérémonie avec diabio depuis dans lundi. Ils ont dit lundi saint, mardi saint, mercredi saint, et ça fait toute l'église catholique, toute l'école catholique, tout l'hôpital catholique. Tout l'hôpital où on est ces bagages catholiques, yoye, tout bagage qui pour catholique, dans semaine sainte, yo pas fonctionné. Dans semaine sainte, semaine ça là, yo les semaines sainte là, semaine pascal là, j'ai oublié là, yo pas fonctionné, yo fermé, parce qu'il pas bon pour yo, malé à privé yo. Est-ce que nous comprenons? Parce que faut que yo fête diable là. Ça veut dire commencer lundi. Depuis lundi, yo commencer, eh bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, yo les saints. Chaque jour ça yo appartient à un diable. Diable ça yo c'est eux même yo relé roi.
C'est wa ça ouais, yo qu'on a dit les wa. 7 janvier on dit les wa, soit 6 ou 7 janvier on connaît les wa. Fête des wa les wa. Ça veut dire les wa wa kabal, wa vodou, wa loge, wa ceci wa cela. Est-ce que nous comprenons? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est chaque jour ça yo attribué. Vous comprenez? Approprié à une loi, à un guédé, à un démon. Est-ce que nous comprenons? L'heure arrive dans vendredi. Pour qui ça relève? Yo dit vendredi ou pas gen droit manger viande. Tendez bien oui pour nous comprendre. Pour qui ça dit vendredi ou pas gen droit manger viande? Là, ou gen tan wè li anti-biblique. Pourtant Jésus lui-même à bouche parle dans Luc 22 verset 19 et 20. Jésus dit ou met manger col ou met boire sang. Jésus dit ça. Pourtant catholique moun k'ap fete Pâques yo faut qu'on ait vendredi saint ou pas gen droit manger viande. Amen, nous pas expliquer nous qui ça fait ou du pas gen droit manger viande. Ça fait ou du pas gen droit manger viande, c'est parce que c'est dans vendredi ça yo fait tout gros sacrifice, tout petit gros sacrifice yo yo fait avec bête dans vendredi saint avec toute qualité bête. Comprendre? Cabrit, cochon, bœuf, chat noir, poule noire. Avec toute qualité bête, yo fait tout petit gros sacrifice dans vendredi saint. Qu'on y a là pour qui est-ce yo fait yo? Yo fait yo à l'honneur ou bien en honneur des papes décédés, des papes déjà décédés. Raison, parce que pape là c'est lui-même qui Dieu, c'est lui-même qui Dieu, l'Église catholique c'est lui-même qui vrai Dieu pour yo, parce que pape yo déclaré tête yo infaillible, ça veut dire yo parfait, yo pas jamais fait erreur, yo pas jamais trompé yo. Est-ce que vous comprenez? Yo fait tête yo égal à Dieu, c'est ça qui fait pape là te déclaré, il dit et tout le monde entier, tout monde net dans le monde entier pour le servir avec une seule Bible et tout monde pas un seul Dieu parce que yo pas d'accord pour monde. Nous connaissons dans fait monde dans la Bible dit dans Matthieu 24. Nous pas servir, il pas d'accord pour monde à servir un Dieu invisible. Ça veut dire lui-même il Dieu visible là. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire il fait tête lui et il fait tête lui-même égal à Dieu, il autoproclame tête Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire dans vendredi saint, il y aurait le vendredi saint et là il fait plus gros sacrifice dans péristyle, dans cimetière égal yo dou même pas manger viande ou pas chercher qu'on est pour qui ça pour pas manger viande, on est crété vraiment ou pas manger viande. Moi-même je dis à là dans cadre professionnel, dans cadre business, dans cadre travail moi t'ai gain quoi avec des étudiants parce que je suis professeur d'anglais à tous les niveaux. OK? Maintenant, me dit étudiant yo, s'il vous plaît, si gain viande, yo pas manger, yo mettre potel pour moi demain si Dieu levé cap vendredi saint parce que moi-même pas fêter fête diable moi-même. Pas petit diable, c'est petit bon Dieu parce que Jésus à bouche li dans Matthieu 22 verset 19 il dit pour manger col pour il dit ou ka manger viande ou pour manger col et il dit pour manger col chaque pour manger col ou annoncer la mort. Comment faire catholique quand même dit contraire là il dit le vendredi saint pour soi-disant dans faux chrétien faux Jésus il doit laisser le mourir et puis il dit comme ça au lieu Jésus dit pour annoncer la mort faut manger col ça veut dire ka manger viande. OK? Catholique yo même avec des mots yo faut qu'on ou pas qu'à manger viande ouais c'est contraire là et ça fait diable là c'est adversaire bon Dieu ça veut dire c'est le contraire. C'est le contraire ça veut dire lui même il faut qu'on vendredi c'est pour pas manger viande c'est poisson pour manger qu'on y a un moto qui malédiction qui gagne pas manger viande manger poisson hein. Sous manger viande c'est maudit maudit tout pape qui mourit déjà yo. Ou maudit tout monseigneur tout ça veut dire monseigneur tout Père, prêtre catholique, tout cardinal, ou m'a dit tout, sous manger viande, et ça fait de ces poissons pour manger. Et qu'on y a l'air ou pas manger viande, manger poisson, ou même ou pas qu'on est, ou elle fait égaré ou elle fait égaré ou nan naïveté ou tende ou traditionnellement, ou le vos jeunes y appellent ou fait, et ça fait tradition pas bon, mes amis, selon Colossiens 2 verset 8, tradition pas bon. Qu'on y a ou même ou elle fait naïveté ou pas manger viande, nan vrai, ou elle achète poisson pour manger. Eh bien, l'air de manger poisson, comme ça, ça veut dire. Vous connaissez poisson, c'est Jésus qui est symbolisé. Donc, on sait déjà. Poisson symbolisé Jésus.
Qu'on a ouais ça tout pas manger viande manger poisson. Vous comprenez? Ça veut dire faut caler genou chrétien. Faut caler genou. Donc il y aurait le vendredi saint. Attendez oui, il fait plus gros sacrifice bête yo by diable manger vendredi saint. Aller manger dans samedi ou après le samedi de l'eau bénite. Pourquoi ça veut dire le samedi de l'eau bénite? Parce que samedi yo by diable là de l'eau, yo by le boisson. Attendez? Vendredi saint. Yo tué bête. Fait gros sacrifice, yo ba diable la manger et puis samedi yo ba le bois et ça fait le samedi de l'eau bénite ou même ou pas comprendre faut poser tête aux questions pour qui ça de l'eau bénite veut dire ça samedi de l'eau bénite là veut dire et puis dans dimanche qu'on y a là yo pral honorer prêtre yo pral honorer pape yo monseigneur yo prêtre cardinal yo mais dans vendredi qui est honoré yo honorer Satan le diable yo honorer baron samedi bah on samedi honoré les vendredi qui fait nous pas manger viande non ou même ou connaît la bible par au côté il dit sont supposé manger viande nous tête vente déboutonné au contraire même si pas manger viande dans semaine c'est vendredi c'est même pour manger viande est-ce que nous comprenons donc mes côtés diable a sorti avec les pakouer mon yo pas connaît et puis a fêté à Dieu bon Dieu qu'on dit mon yo l'église s'est tombée organisée fête carême. C'est cette parole que fait tout nos programmes, mes amis. Oh! Bon Dieu, tu as raison, dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pasteur l'église, mes amis, berger, entrer dans la logique, programme Pascal, chaque Pâque, chaque les Pâques, pour organiser programme, cette parole. On bande l'autre bagaille encore, il a fait. Utiliser des saints croix décorant dans l'église, ça il est péristyle. Dès qu'on l'église fait ça, pas entrer là-dedans, c'est péristyle, c'est pas biblique. Ça c'est pasteur traditionnel, il est ça l'église traditionnelle. Et moi pour me faire enseignement sur ça pour nous, toute l'église pour monde pas entrer là-dedans, l'église traditionnelle. Et bien mes amis, c'est ça qui t'a fait différence entre la Pâque et les Pâques. La Pâque c'est Jésus. Il symbolisait, et matériellement parlant, la Pâque, c'est l'agneau immolé. La Pâque, c'est l'agneau immolé. Selon Exode chapitre 12, verset 5. Est-ce que nous comprenons? Et la Pâque, c'est reconnaissance. Peuple Israël là envers bon Dieu parce que bon Dieu t'a retiré dans l'esclavage dans prison en Égypte selon Exode 12 verset 27 et la Bible dit c'est ça pour me dire petit moi selon Exode 12 verset 26 et maintenant Pâques ça comme fête alors Pâques ça l'elle matérialisé c'est un agneau un mouton ou ap immolé ou ap tué pour ap boucanel mais agneau ça faut li sans tache sans défaut faut gien un an faut gien un an et faut mal li pas ka femelle parce que bon Dieu pas en affaire à femme dans ministère li pas en affaire la femme en français dans le ministère selon alors c'est faut qu'agneau a un mal faut gien un an faut sans défaut selon Exode 12 verset 6. OK? Donc il y a verset en biblique qui parle dans 5 et qui parle dans 6. OK? Maintenant et nous dit encore faites ça, il célébrer chaque 14. Chaque 14e jour dans premier mois qui c'est premier mois dans calendrier juif là qui paraît mois de mars pour nous. Ça veut dire une date fixe. OK? Donc l'agneau immolé, ça c'est de l'apôtre Jean parlé dans Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis l'apôtre Jean parlé de lui encore dans Apocalypse 5, verset 12. Il dit l'agneau qui a été immolé est dit de recevoir la louange, la gloire, la force, la puissance, la sagesse, etc. etc. OK? Donc mes amis, la Pâque qu'on y a là, il prend fin depuis dans Matthieu 27, verset 50. Depuis dans Matthieu 27, verset 50, et la Pâque a pris fin. Et qui va préciser ma parole ça, c'est 1 Corinthiens 5, verset 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, pas de Pâque encore.
égal mes amis petit bon Dieu pas fêter Pâques parce que l'op fêter Pâques c'est diable qui bail gloire c'est diable qui honorer c'est fait diablier c'est fait mon invisible la paix bon Dieu avec nous que bon Dieu garde nous protège nous sécurise nous donc c'est ton courtoisie école de Dieu en Jésus-Christ dirigé par le Saint-Esprit de concert avec l'église de Dieu en Jésus-Christ dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Bon Dieu bénis nous, bon Dieu gardez nous, protégez nous, sécurisez nous. La paix Jésus-Christ va avec nous. À la prochaine. À demain si Dieu le veut pour un prochain enseignement.